Bonjour les enfants, quelle belle journée! Aujourd'hui, Lilou, Loulou et Tata Lala font une promenade dans la forêt. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette drôle de chose? Tata Lala, Tata Lala, regarde! C'est trop beau! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, tu as raison, Lilou, c'est beau! C'est une forme, mais c'est une forme spéciale. Et toi, Loulou, est-ce que tu sais comment s'appelle cette forme? Je crois que cette forme est un carré. Très bien, Loulou. Répétons ensemble. Un carré. Oh, regarde, il est tombé tout seul. Viens, Lilou. On va voir si on trouve d'autres formes dans la forêt. À trop vite, les enfants! Regarde, Loulou, une autre forme! Tu sais comment s'appelle celle-ci? J'ai oublié. Demandons à Tata Lala. Regardez bien, les enfants! C'est un triangle! Répétons ensemble. Un triangle. Oh non, celui-ci aussi est tombé. Qu'est-ce que c'est drôle! Venez, venez, on va trouver d'autres formes. Regardez les enfants, quelle drôle de statue! Oh, je sais! Il y a un carré et un triangle. Ça ressemble à... Oh non, la statue est tombée! Regardez les enfants, les formes se sont envolées! Oh, je pense que si on joue avec des formes, on pourra faire une nouvelle statue. Tu as raison, Lilou! Mettons le carré ici. Et le triangle là. Oh, comme c'est joli les enfants! Bravo! Elle me fait penser à une maison. Vous ne trouvez pas? Oui, oui, oui! J'adore les formes! Allons en chercher d'autres! Oh oui! On peut y aller, Tata Lala? Bien sûr les enfants, mais ne vous éloignez pas. On reste ensemble. Oui! Regarde, Lilou, une nouvelle forme. Est-ce que tu connais le nom de cette forme? Oui, je connais cette forme. Elle est toute ronde. C'est un rond. Très bien, Lilou. Répétons ensemble. Un rond. Oh, j'espère qu'il ne va pas tomber lui aussi. Eh oui, il est aussi tombé. Continuons, continuons. Je veux découvrir de nouvelles formes. Wow, quelle belle statue! Je vois plusieurs formes dans cette statue. Oui, il y a un rond, un triangle et un carré. Très bien, Loulou. Et patapoum! Wow, les pièces s'envolent! On va pouvoir jouer à faire une nouvelle statue. Génial! Mettons le carré ici. Moi, je vais mettre le rond là. Et je vais mettre le triangle juste là. Oh, comme c'est beau! Ça me fait penser à... un oiseau. Vous ne trouvez pas? Oh oui! Venez, je vois une nouvelle forme juste là-bas. Allons-y! Regardez les enfants, une nouvelle forme! Elle ressemble un peu au carré. Vous connaissez le nom de cette forme, les enfants? Cette forme est un rectangle! Parfait! Vous connaissez tellement de choses, les enfants! Répétons ensemble le nom de cette forme. Le rectangle.
rectangle. Le rectangle est tombé. Allons voir s'il y a une autre statue plus loin. Très bien. Mais après celle-là, on rentre à la maison. C'est bientôt l'heure du repas. Oui, oui, génial! Oh, quelle grande statue! Tu as raison, Loulou. Elle est si grande. Ne vous approchez pas trop, les enfants. Si elle tombe, vous pourriez vous blesser. Est-ce que vous reconnaissez les formes de cette statue? Oui, il y a le carré. Et le rond. Je vois le rectangle. Et le triangle. Et voilà, tout est tombé. Je m'en doutais. Regarde, regarde, Lilou, toutes les pièces s'envolent. Les enfants, vous voulez bien que l'on fasse une nouvelle statue avec toutes ces pièces? On peut essayer. Moi, je vais mettre le carré là. Et moi, je mets le triangle là. Je vais placer le rond ici. Et il ne reste plus que le rectangle. Je vais le mettre ici. Waouh! À quoi est-ce que ça vous fait penser? Je trouve que ça ressemble à un robot. C'est rigolo tout ce qu'on peut dessiner avec les formes. Eh oui, Loulou, en utilisant les formes, on peut tout dessiner. Vraiment, Tatalala? On peut tout dessiner grâce au carré, au triangle, au rond et au rectangle. Eh oui, Lily. En mettant les formes au bon endroit, on peut dessiner un ballon, un soleil, une voiture et même un garçon et beaucoup d'autres choses. Mais rentrons maintenant, les enfants. Il est tard. J'ai passé une très bonne journée, Tata Lala. Est-ce que tu te rappelles, Lilou, la première forme que nous avons trouvée dans la forêt? Oui, bien sûr, c'était le carré. Très bien, Lilou. Et toi, Loulou, est-ce que tu te rappelles quelle était la deuxième forme que nous avons trouvée dans la forêt? Oui, c'était le triangle, Tata Lala. Et toi, est-ce que tu te souviens de la troisième forme? Si je me souviens bien, c'était le rond. Oui, 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 c'est ça. Et la dernière forme, c'était le... le rectangle. Très bien, les enfants. On s'est bien amusés aujourd'hui. Allons manger maintenant. Oh oui! Oh, j'oubliais quelque chose. Au revoir, les enfants! Bonjour les enfants, quelle magnifique journée! Aujourd'hui, Lilou et Loulou jouent dans le jardin. Quand soudain, quelque chose apparaît dans le ciel. Regarde Lilou, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu connais le nom de cet animal? Je pense que c'est un mouton. Un mouton. Répète avec moi. Un mouton. Et celui-là, tu sais comment il s'appelle? Mais oui, c'est un loup. Un loup. Répète avec moi. Le loup. Celui-ci, je le connais. Et toi? C'est un renard. Un renard. Répète avec moi. Le renard. Je crois que celui-ci s'appelle un koala. Mais non, Lilou, c'est un panda. Un panda. Répète avec moi. Le panda.
Oh, celui-ci, je le connais. Et toi? Oui, bien sûr. C'est le coq. Le coq. Répète avec moi. Le coq. Très bien. Je ne me rappelle pas du nom de cet animal. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. C'est le hamster. Le hamster. Répète avec moi. Le hamster. Qu'est-ce qu'il est drôle. Celui-là est beaucoup moins drôle. C'est un tigre. Un tigre. Répète avec moi. Le tigre. On appelle cet animal un lapin. Un lapin. Répète avec moi. Un lapin. Comme ils sont mignons tous ensemble. Tu veux bien dire avec moi le nom de chaque animal? Bien sûr, Loulou. Le mouton. Le loup. Le renard. Le panda. Le coq. Le hamster. Le tigre. Le lapin. Oh non, quel vent! Tous les animaux se sont envolés. Un animal a disparu. Est-ce que tu sais quel animal a disparu? Je pense que c'est le hamster qui a disparu. Oui, voilà, c'est le hamster. Bravo! Oh non! Le vent recommence à souffler. Un animal a disparu. Est-ce que tu sais quel animal a disparu? Je pense que c'est le panda qui a disparu. Oui, voilà, c'est le panda. Bravo! Oh non! Le vent recommence à souffler. Un animal a disparu. Est-ce que tu sais quel animal a disparu? Je pense que c'est le lapin qui a disparu. Oui, voilà, c'est le lapin. Bravo! Oh non, le vent recommence à souffler. Est-ce que tu sais quel animal a disparu? Je pense que c'est le renard qui a disparu. Oui, voilà, c'est le renard. Très bien, tu connais tellement de choses. Tiens, j'entends un animal. Je n'arrive plus à reconnaître quel animal fait ce bruit. Est-ce que tu sais, toi, quel animal fait ce bruit? Écoute bien. J'entends à nouveau un animal. Je n'arrive plus à reconnaître quel animal fait ce bruit. Est-ce que tu sais, toi, quel animal fait ce bruit? Écoute encore. C'est le coq, bien sûr. Très, très bien. Tiens, j'entends un animal. Je n'arrive plus à reconnaître quel animal fait ce bruit. Est-ce que tu sais quel animal fait ce bruit? Écoute bien. Mais oui, c'est le tigre, bien sûr. Très, très, très bien. Tiens, j'entends à nouveau un animal. Je n'arrive plus à reconnaître quel animal fait ce bruit.
Est-ce que tu sais, toi, quel animal fait ce bruit? Écoute bien. C'est le mouton, bien sûr. Bravo! Je vais voir si je me rappelle du nom de chaque animal. Est-ce que je peux répéter avec toi? Mais bien sûr, répète avec moi. Le mouton. Le loup. Le renard. Le panda. Le coq. Le hamster. Le tigre. Le lapin. C'est tellement bien d'apprendre de nouvelles choses. Lilou et Loulou se sont bien amusés dans le jardin avec tous les animaux. Ils ont si hâte de les voir encore pour recommencer à jouer et à apprendre. À bientôt les enfants! Iloulon! Bonjour les enfants, quelle belle journée! Aujourd'hui, Lilou, Loulou et Tata Lala vont manger une délicieuse galette. Ils ont si hâte de la goûter. Celui qui trouvera la fève dans la galette pourra porter la couronne. Ce sera le roi ou la reine. La galette est aux œufs et aux amandes. Qu'est-ce qu'elle est bonne ! Tiens, Lilou vient de mordre dans quelque chose de dur. Une fève jaune. Lilou peut porter la couronne jaune. Lilou est la reine de la journée. La reine jaune. Qu'est-ce qu'elle est contente. J'ai la couronne jaune, je suis la reine. La reine jaune. Tiens, Loulou vient de mordre dans quelque chose de dur. Une fève bleue. Loulou peut porter la couronne bleue. Loulou est aussi le roi de la journée. Le roi bleu. Qu'est-ce qu'il est content. J'ai la couronne bleue. Je suis aussi le roi. Le roi bleu. Tiens, Tata Lala vient de mordre dans quelque chose de dur. Une fève rouge. Tata Lala peut porter la couronne rouge. Tata Lala est aussi la reine de la journée. La reine rouge. Qu'est-ce qu'elle est contente. J'ai la couronne rouge. Je suis aussi la reine. La reine rouge. Soudain, le vent entre par la fenêtre et fait voler toutes les couronnes. Elles sont toutes mélangées. Peux-tu aider Lilou, Loulou et Tata Lala à retrouver leurs couronnes? Oh, comme tu es gentil! Merci beaucoup! Alors, Lilou avait la couronne jaune. Est-ce que tu vois la couronne jaune? Mais oui, c'est bien celle-là. Dis sa couleur pour qu'elle puisse retourner sur la tête de Lilou. Jaune, jaune, jaune. Bravo! Loulou avait une couronne bleue. Peux-tu retrouver la couronne bleue? Mais oui, c'est bien celle-là. Dis sa couleur pour qu'elle puisse retourner sur la tête de Loulou. Bravo! La dernière couronne est la couronne de Tata Lala. Dis sa couleur pour qu'elle puisse retourner sur la tête de Tata Lala. Rouge, rouge, rouge! Bravo! Chacun a retrouvé sa couronne et peut manger une autre part de galette. Mais soudain, le vent entre par la fenêtre et fait disparaître une couronne.
peux-tu aider Lilou, Loulou et Tata Lala à retrouver leur couronne? Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Regarde bien les couronnes. L'une des couronnes n'est plus là. Celui ou celle qui n'aura plus sa couronne sera très triste. Alors, est-ce que tu sais quelle couronne a disparu? Est-ce que c'est la couronne jaune, la couronne bleue ou la couronne rouge qui n'est plus là? Quelle est la couronne que le vent a emportée par la fenêtre? Dis sa couleur pour qu'elle puisse revenir. Bleu! Mais oui, c'est bien la couronne bleue. Bravo, Loulou est si content. Oh non! Le vent a encore soufflé et une autre couronne s'est envolée. Celui ou celle qui n'aura plus sa couronne sera encore très triste. Alors, est-ce que tu sais quelle couronne a disparu? Est-ce que c'est la couronne jaune, la couronne bleue ou la couronne rouge qui n'est plus là? Quelle est la couronne que le vent a emportée par la fenêtre? Dis sa couleur pour qu'elle puisse revenir. Rouge! Mais oui, c'est bien la couronne rouge! Bravo! Tata Lala est si contente! Oh non! Le vent a encore soufflé et une autre couronne s'est envolée. Celui ou celle qui n'aura plus sa couronne sera encore très triste. Alors, est-ce que tu sais quelle couronne a disparu? Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que c'est la couronne jaune, la couronne bleue ou la couronne rouge qui n'est plus là? Quelle est la couronne que le vent a emportée par la fenêtre? Dis sa couleur pour qu'elle puisse revenir. Jaune. Mais oui, c'est bien la couronne jaune. Bravo! Lilou est si contente. Si content d'avoir retrouvé leur couronne, Lilou, Loulou et Tata Lala mangent une autre part de galette. Quelle est bonne! Mais... c'est le dernier morceau. Il n'en reste déjà plus. Ce n'est pas grave, parce que chacun s'est régalé avec ses bonnes galettes et chacun s'est bien amusé avec ses six jolies couronnes. Merci encore d'avoir aidé Lilou, Loulou et Tata Lala. Et... à bientôt les enfants! Bonjour les enfants, quelle belle journée! Aujourd'hui, Lilou, Loulou et Tata Lala jouent dans le salon. Quand soudain, le téléphone sonne. Bonjour Tata Lala, je suis le Papa Noël. Lilou, Loulou, venez vite, c'est le Papa Noël au téléphone. Tata Lala n'en croit pas ses oreilles, c'est bien le Papa Noël qui appelle au téléphone. Le Papa Noël. Lilou et Loulou sont si contents que le Papa Noël appelle au téléphone. On veut lui parler. Mais sois poli, disait Tata Lala. Oh, 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 bonjour mon enfant. Je t'appelle parce que je prépare tous vos cadeaux pour Noël et je me suis rendu compte que je ne connais pas vos prénoms. Alors dis-moi, mon enfant, comment est-ce que tu t'appelles? Lilou. Mais non, Lilou,
Ce n'est pas comme ça que l'on se présente au Papa Noël. Bonjour Papa Noël, je m'appelle Lilou. Ah, et bien voilà Lilou, c'est beaucoup mieux comme ça. Enchanté Lilou. Dis-moi, quel âge as-tu ? J'ai 3 ans, Papa Noël. Oh, qu'est-ce que tu es grand ! J'aimerais savoir, est-ce que tu as été sage cette année ? Oh oui, Papa Noël, j'ai été très très sage. Oh oh oh, je m'en doutais. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me passer ton frère, s'il te plaît ? Et bien sûr, Papa Noël. Merci. Bonjour, Papa Noël. Je m'appelle Loulou. Enchanté, Loulou. Quel âge as-tu ? J'ai 3 ans. Tu as 3 ans ? Mais tu es grand, dis donc. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime jouer avec ma sœur, faire des dessins et manger des gâteaux au chocolat. Oh oh oh, comme c'est amusant. Maintenant que je sais tout cela, je vais me dépêcher de préparer tous vos cadeaux. Oh oh oh. Et toi ? Dis au Papa Noël comment tu t'appelles pour qu'il puisse préparer tous tes cadeaux. Alors, comment est-ce que tu t'appelles ? Tu as quel âge ? Dis-moi, est-ce que tu es un garçon ou est-ce que tu es une fille ? Oh, le Papa Noël te connaît vraiment mieux maintenant. Il va pouvoir préparer tous tes cadeaux. Les enfants, dites merci au Papa Noël de nous avoir appelés. Merci Papa Noël, merci Papa Noël. Oh, mais de rien les enfants. J'ai hâte de vous retrouver avec tous vos cadeaux. Jour de Noël. Vive Noël, vive Noël, vive Noël, vive Noël. Comme le Papa Noël connaît un peu mieux Lilou, Loulou et Tata Lala, il va pouvoir commencer à préparer tous leurs cadeaux. Non.